Putain, c'est incroyable, ça. Ça me saoule, ça. Ah oui, bravo. Génial. Allez. Allez, mais putain, restez attentif, hein. Putain, c'est grave ça, ils vont tous par là, quoi. Ouais, voilà, putain, mais tu vois bien qu'il y en a qu'un, quoi. Pourquoi tu t'arrêtes, hein? Faux. Oh, les gens, quoi. Tout le monde a deux tensions sur cette terre, c'est pas possible. Ah ben merci, monsieur. Sympa les gars. Trouvez qu'il est su bien sympa. Bon lui par contre, camionnette de glace là. Pas envie de se rabattre, quoi. Tout petit effort, ma couille, allez. Ah, je vois un peu plus clair, là, t'es bien gentil. T'es bien gentil, fais merci. T'as cette route ici, quoi, comment elle est défoncée aussi. En fait, je vous explique que c'est une longue ligne droite. Enfin, une ligne droite, on se comprend, hein. Il y a évidemment un petit village comme ça, donc il y a des feux rouges, quoi. Mais après, on va arriver sur une partie, c'est une longue ligne droite. Et ça rejoint Manage à Nivelles. Et ça passe par Feluy et Arquen. Bon, pour les Français, ça ne dira rien, mais pour les autres, ça parle. Ben, en fait, la route est complètement défoncée. Dès qu'on commence à essayer de prendre un peu trop de vitesse ou quoi, ben, on peut se prendre des petites amorces de guidonnage. C'est dommage que la caméra ne rend pas vraiment bien ce que je vois. Mais les petits, ce que vous voyez à la caméra, les traces à terre, ben, c'est des traces qui sont relativement profondes. Large comme un pneu avant de moto, quoi. Elles sont à moitié craquelées comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des parties de ces crevasses, ça c'est des trous carrément, il y a des parties de ces crevasses en fait où il manque des cailloux, le caillou du goudron, du bitume. Et du coup, bah, ça nous fait avoir une perte d'adhérence.
Là, ça en ligne droite, ça pose pas trop problème, mais c'est le problème, c'est que ça arrive aussi dans les virages. Ça fait un petit peu comme une râpe à fromage. Je me dirais, bah, une râpe, ça doit accrocher. Ouais, mais non, parce que là, en fait, il manque des gravillons qui se trouvent dans le bitume, quoi. Du coup, ça fait glisser le pneu. Voilà, bah, c'est une espèce de... une longue crevasse comme ça dans la longueur de la route. C'est vraiment dommage que je peux pas vous donner un meilleur rendu que ça à la caméra, quoi. Là, je pense que ça doit être la seule partie la moins abîmée de tout l'endroit. Regardez là sur la gauche, c'est complètement défoncé, ils ont réparé, mais le problème en fait quand on répare comme ça, c'est que ils nous mettent du goudron dans le trou qui bouche, et sur les bords du goudron, ils rajoutent une espèce de... Enfin, sur les bords de bitume, ils mettent justement du goudron liquide. Mais le problème, c'est que ce goudron, quand il fait chaud, ben, il se liquéfie. Et quel que soit le nombre d'années qu'il soit posé. Alors le problème qui se pose, c'est qu'en plein été, quand vous êtes en train de rouler comme ça sur une route, vous vous dites, bon, ça va, ça a été refait. Le problème, c'est que vous arrivez dans un tournant, vous commencez à prendre un peu d'angle, il faut pas aller vite pour autant. Et là, en fait, votre pneu va toucher, il fait bien chaud et tout, et votre pneu va toucher cette petite partie de goudron liquéfié. Ce qui fait que vous glissez, quoi, et c'est la chute. Je comprends pas pourquoi ils font ça, au lieu de refaire directement la route, quoi. Enfin, si, je peux comprendre que... Je peux comprendre que ça coûte de la thune, quoi, mais... Paye des impôts pour quelque chose. Ah, merde, j'avais pas vu. Ah non, c'est cette partie-ci la mieux. Parce que là, il n'y a pas de trou. Bon, il doit sûrement en avoir à un moment ou à un autre. Mais c'est ça qui est piégeant en Belgique. C'est que voilà, on va avoir une partie, allez, sur 100 ou 200 mètres, vous voyez, c'est nickel, c'est un billard et tout. Donc on va se dire, bon, bah, ça va, une belle route, quoi. Et là, bah, commence à ouvrir un petit peu et... Et puis après, boum, on tombe dans un endroit où le bitume est complètement chaotique, quoi. Téléphone, bravo. Deuxième téléphone. Yeah, c'est bon ça. Devinez ce que je fais. Attention, petite blague, clignoteur, mais hop, je tourne pas. C'est ça la vie. Connerie. Oh la vache, putain, j'adore rouler avec cette visière ouverte, hein. Mais qu'est-ce qui me gonfle, c'est ce sifflement, quoi. Oh la vache.
putain de sifflement de fou, quoi. Et si vous trouvez derrière votre écran que c'est désagréable, rassurez-vous, dans le casque, c'est encore pire. Sifflement de merde.